Dans cette vidéo, je vais vous montrer un hack qui vous permet de trouver ou retrouver un mot de passe sur Facebook, sur Instagram, sur Google ou sur n'importe quel site sur lequel vous avez oublié votre mot de passe. Juste avant de vous montrer ça, j'ai créé une deuxième vidéo qui vous montre 7 stratégies de gros hacking qui vont exploser vos résultats en ligne, aussi bien vos commissions d'affiliation si vous faites de l'affiliation, votre trafic ciblé, trouver des clients avant la fin de la semaine ou alors récupérer des milliers d'emails de prospects ciblés tous les jours gratuitement et également trouver du contenu exclusif qui est inconnu de Google. Donc pour recevoir cette présentation vidéo, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo juste en dessous. Alors maintenant, comment vous pouvez trouver ou retrouver un mot de passe qui a été oublié par exemple sur Facebook, sur Instagram ou sur Google en à peine 10 secondes. Ce hack, ça vous montre également l'importance de bien vous déconnecter à chaque fois que vous utilisez un autre ordinateur et également de ne jamais enregistrer un mot de passe dans un navigateur qui est autre que votre ordinateur. Donc ce hack, il fonctionne si par exemple le mot de passe est masqué comme ça peut être le cas sur des ordinateurs communs où la personne aurait enregistré son mot de passe et du coup on voit que des petits points à la place de ce mot de passe et on ne peut pas deviner du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça peut également vous arriver, vous avez mis votre mot de passe il y a très longtemps, vous l'avez enregistré dans le navigateur mais vous ne vous en souvenez absolument plus, à moins de cliquer sur mot de passe oublié et perdre 10 minutes en authentification. Donc quand c'est le cas, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur la page, vous faites inspecter. Automatiquement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Ici, on est sur Google Chrome, mais vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur. Vous sélectionnez ici ce petit élément et ensuite, vous sélectionnez, vous cliquez ici au niveau du champ de mots de passe. Et vous voyez que automatiquement, vous êtes redirigé sur cette ligne-là. Il suffit tout simplement de supprimer sur ce champ le terme password. Vous cliquez ailleurs et automatiquement, vous avez tout votre mot de passe qui apparaît en clair que vous pouvez automatiquement réutiliser. Alors, rassurez-vous ici, c'est un email et un mot de passe à guise d'exemple. Vous pouvez faire exactement la même chose, par exemple sur Instagram, vous voyez, vous avez un mot de passe, vous l'avez oublié, il suffit de faire un clic droit, vous cliquez sur inspecter, ici vous cliquez sur la possibilité d'analyser les éléments, vous cliquez ici sur le champ mot de passe et à ce niveau là eh bien vous sélectionnez tout simplement dans type password, vous supprimez le terme et automatiquement vous avez le mot de passe de la malheureuse personne qui l'aurait oublié sur un ordinateur externe parce qu'elle l'aurait enregistré dans le navigateur ou le vôtre si vous l'avez oublié. Vous pouvez ensuite vous connecter et vous pouvez même le faire avec des espaces membres ou n'importe quel autre site dans lequel vous auriez oublié votre mot de passe. Tout simplement pour l'afficher, il suffit de cliquer ici sur clic droit, inspecter. Vous avez la console qui s'ouvre, vous cliquez sur ce petit icône. Ici ensuite, vous sélectionnez le mot de passe et au niveau de la balise type, vous supprimez le mot password et automatiquement ça y est, le mot de passe s'affiche en clair, vous pouvez l'utiliser. Donc ce hack est extrêmement puissant, utilisez-le bien entendu uniquement à titre éthique. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un énorme like et surtout cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour recevoir la présentation vidéo de 7 stratégies gros hacking qui vont exploser vos résultats en ligne. Je vous retrouve tout de suite dans la vidéo de présentation.